mon amour, tu es légère comme une plume. Et toi, ça va, amour? Oh oui, à califourchon sur tes épaules rebues, je me sens si bien. Tu as bien fait de mettre ce petit short sur la chaleur de ta peau sur mon cou. Amour! On se pose là pour le campement, c'est bien, là? Tu traînes, mais qu'est-ce que tu traînes? Pardon, excuse-moi, ne te fâche pas. J'ai des ampoules au pied. Ça, c'est sûr qu'elle n'est pas dans ta tête, la lumière. Ah, est-ce qu'on est bien ici? Comment tu fais pour nous dénicher ce voyage? Mes contacts, un client à Dubaï. On a aussi fait le Kenya grâce à lui. J'ai une courbature ici et ma bonne arrière de femme sait pas y faire. Tu peux m'aider? Depuis mon dernier voyage en Inde, le yoga et les massages n'ont plus de secret pour moi. On se boit un petit café frappé? Plus tard, le frappé. John vous a ramené à Chablis. T'as le tire-bouchon? Je ne le trouve pas, mince! Oh! Qu'est-ce que tu fais, là? Mais qu'est-ce que tu fais? Ma femme fouille dans mon sac! Je rêve! C'est bon, j'ai mon couteau suisse! Ah! Mais attention avec le sucre! Ça attire les fourmis! Et qui dit une colonie de fourmis? C'est la guerre, après! C'est la guerre! Sinon, t'en es où, toi? On va passer première société, côté en bourse. Côté au CAC 30! Hey, CAC 4! 4,40, ma grosse poule, 4,40. Elle n'y connaît rien. Je préfère militer pour sauver les orphelins d'Ouzbékistan. Moi, tout cet argent. Et tu as trouvé du travail? Pourquoi est-ce qu'elle travaillerait? Elle a assez d'argent de poche. Pour se faire des amis. Pourquoi faire? Mais non, je suis femme au foyer. Et un foyer qui chauffe. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. On s'ennuie jamais. On est toujours à la page, à l'affût du dernier cri. Le cri, le tableau des Dormunch? Le cri, non? Oui, le peintre de l'amour, de la mort, de la douleur. J'ai vu la dernière expo Monet. Un régal. Somptueux. Grande chose. Épouse tout plante. Le directeur du Grand Palais est un bon ami. D'ailleurs, avec ton foulard et ton chapeau, tu pourrais sortir d'un de ces tableaux. Elle ne les quitte jamais. Je suis son taliban et ma femme a la burqa mania. Ah, oh, j'adore les cupcakes. Oh, je trouve ça so sweet and nice good. Et ma femme à moi, elle préfère les tartes aux cupcakes. Le dernier film que j'ai produit se passe à Los Angeles. Les Californiens lient admirablement le just do it et le zen. C'est fou, c'est même violent cette dichotomie. Un film sur le street art où j'ai inséré du Basquiat. Bon, ça a pas mal suscité la controverse, mais... C'est ça l'intérêt. Faut pas avoir peur de se prendre une tannée, comme on dit. Ça réveille la passion. Viens là, chérie. La nature, ne t'inquiète pas. C'est beau, c'est gris, c'est ésotérique. C'est bon le contact avec le réel. À chacun sa réalité. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu dis? Apparemment, tous ces bruits ne rassurent pas ta dame. Mais si, avec moi, elle ne craint rien. Je suis encore plus sauvage que ces bêtes. Bon, on va se coucher, hein, ma douce petite fleur. On va se coucher. Vous restez? Vous restez? Mais non! Bah tu sais, on manque jamais l'occasion d'expérimenter des choses nouvelles. Donc on va sûrement regarder la pluie d'étoiles et dormir à la dure. Bonne nuit. Bonne nuit. Déshabille-toi un peu. Enlève-moi ce foulard. Je vois le rose de tes joues. Ma femme et moi, on est vraiment dans le coup. C'était le groupe numéro 21 dans Safari, le thème qu'ils avaient choisi, leur préoccupation. Ils nous viennent du CFA Institut des métiers des compétences IMC à Paris. Ils sont en BTS communication, en BTS commerce. La mise en scène est de Lison Pinet. Les interprètes sont Nedim, Mélanie, Julien, Orphée et Gwendoline.